Les orbes. Quelle chance d'apprendre! C'était chouette! Est-ce qu'on peut revenir demain pour faire le reste? Nous devons encore faire nos devoirs. Je dois écrire toute une rédaction sur quelque chose d'important pour moi. J'aimerais ne pas devoir aller à l'école demain. Moi, j'aimerais ne jamais devoir aller à l'école. Vraiment? Moi, j'adorais l'école. C'est tellement chouette d'apprendre de nouvelles choses. Vous avez tellement de chance de pouvoir aller à l'école. De la chance? Bien sûr, tout le monde n'a pas la chance de pouvoir aller à l'école. Oui, Amita et Mondo n'ont pas eu cette chance non plus. Amita et Mondo étaient mes voisins. Et nous jouions aux orbes ensemble. Mais un jour, ils sont partis. Où sont-ils allés? Je n'en savais rien. Jusqu'au jour où Intella et moi sommes allés dans un autre quartier de Zorb pour chercher une pièce dont nous avions besoin pour notre vaisseau spatial. Amita, c'est toi? Je ne peux pas te parler, je vais avoir des ennuis. Pourquoi aurait-elle eu des ennuis? Elle nous a raconté qu'un gang de criminels avait vendu sa famille à un vieux Zorb très riche. Amita ne pouvait plus aller à l'école parce qu'elle devait nettoyer la maison et faire la cuisine. Mondo ne pouvait plus aller à l'école non plus parce qu'il avait été envoyé dans une usine. Et même s'il travaillait de longues heures durant à faire des bonnets, il n'était jamais payé. Et le reste de sa famille devait travailler dur dans les champs, du lever au coucher du soleil. Sinon, il recevait des coups. Amita m'a dit qu'elle donnerait n'importe quoi pour retourner à l'école. Est-ce qu'Amita vous a dit comment les aider? Nous avons donné la pièce du vaisseau spatial à Amita. Sa famille est parvenue à la vendre et à acheter une petite ferme pour qu'Amita et Mondo n'aient plus à travailler et qu'ils puissent retourner à l'école. Et Amita a dit qu'elle demanderait au professeur si sa classe pouvait apprendre à construire des vaisseaux spatiaux à l'école. C'est sur ce sujet que je vais écrire ma rédaction. J'expliquerai à la classe à quel point nous avons de la chance d'aller à l'école. C'est une excellente idée. Tu pourrais expliquer les raisons pour lesquelles il est important que les enfants aillent à l'école pour apprendre et jouer avec leurs camarades. On fait la course jusqu'à la maison et le premier qui finit ses devoirs a gagné. Au revoir, Lily. Au revoir, Kofi. Au revoir, à demain.